à l'auditoire du Montréal Africain TV, je suis le professeur Normand Cormette, animateur de l'émission L'espace dialogique. Et c'est justement dans l'espace de, de l'artiste Pierre Saint-Loup que je vous invite pour un voyage dans l'évolution de sa pensée politique telle que miroitée dans des œuvres fort différentes puisqu'il s'agit d'un artiste pluridisciplinaire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, bonjour à l'auditoire du Montréal Africain TV. Je suis le professeur Normand Cornette, animateur de l'émission L'espace dialogique. En tant que spécialiste en sciences des religions, critique d'art et commissaire, il y a un certain temps, j'ai fait la découverte d'un artiste qui m'a interpellé à un point tel qu'il fallait que j'aille dans son atelier. Découvrir son imaginaire d'où venait cet art et ce qui m'était évident, cette pensée politique ainsi que son évolution. En fait, la plaque tournante est justement cette œuvre qui s'intitule Le Sacré Cœur de 1995. Et ici même, j'accueille l'artiste lui-même, Pierre Saint-Louis. Bonjour. Bonjour, professeur. Alors, puisque les sciences des religions, euh, c'est ma spécialité et la religion était une plaque tournante dans l'histoire du Canada français et de son passage vers le Québec moderne, on ne peut pas passer outre cette œuvre qui, elle, date du référendum. Avec le premier ministre de l'époque, Jacques Parizeau, docteur Jacques Parizeau, doctorant en sciences économiques, avec qui j'ai fait un atelier dialogique d'ailleurs. Et quand je regarde cette œuvre, Monsieur Saint-Louis, d'abord, ce qui me frappe, c'est que le cœur est là, au centre même. S'agit-il de l'iconographie oui, 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 tout à fait, professeur. La, la, la symbolique du sacré cœur est extrêmement importante dans cette toile-là. Mm -hmm. euh, évidemment, au niveau euh, tant de son importance dans le, le Québec euh, d'antan, comme vous l'avez si bien souligné, que comme figure qui va aller interpeller le lecteur et l'amener à plonger euh, son mm -hmm. regard dans l'œuvre. Mm -hmm. Pour vous, est-ce que la religion. Et dans le cas échéant, le, le catholicisme était à toute fin pratique euh, une forme de politique euh, C'est sûr que dans l'histoire euh, du Québec, cela a été de façon euh, très liée hein, mm -hmm. au développement d'une pensée, euh, euh, pensée culturelle profonde, unique et euh, autonome. Euh, euh, toutefois, la religion en soi, comme telle, peut-être un peu moins que mmh. la, 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 la spiritualité qui est rattachée. Mmh. Et certes, vous parlez de, de symboles, mais on a deux autres symboles. Et, on, et ce, qui me, ce qui me frappe dans cette œuvre, M. Saint-Louis, c'est à quel point il s'agit d'une œuvre sémiotique. Et quand on parle de sémiologie, eh bien, c'est symbole. Signe, essence, et, et il y a deux autres symboles, le drapeau du Québec, le drapeau du Canada. Et, et donc on est en année de référendaire et il y a quelque chose d'équivoque, ambigu dans cette œuvre. Vous pourriez nous en parler Oui, en, en ambigu, hein, essentiellement. Euh, il, il, faut, il faut dire qu'à l'époque, euh, lors du deuxième référendum de euh, celui de 1995, euh, beaucoup d'artistes étaient sollicités à donner leur opinion sur, mmh. euh, sur mmh. évidemment, les grands artistes de, de l'époque, les autres, on connaissait leur position, c'était des artistes engagés, que l'on songe à Gilles euh, Pauline Julien, Félix Leclerc, Charles mmh. Lebrun, en fait, l'ensemble des grands, des, des monstres secrets de l'époque euh, avaient une position claire là-dessus. Maintenant, les médias s'intéressaient beaucoup à l'ensemble de la communauté artistique et, tout un, et, et, et chacun mmh. était interpellé à, mmh. se, à se prononcer là-dessus. Moi, ce qui m'a euh, vraiment euh, touché, c'est de voir à quel point beaucoup de ces artistes-là, qui étaient interpellés à se prononcer sur le référendum, sur le fait politique, n'en faisaient aucun cas dans leur pratique comme telle. Mmh. Alors moi, j'ai décidé d'investiguer dans ma pratique. Et cette question de, euh, euh, du référendum, qui est une question, au fond, identitaire. Et vous, vous, vous venez de soulever un, un premier principe, comme on dit en philosophie. Étiez-vous, êtes-vous artiste engagé? Euh, oui, oui, oui. Je suis un artiste engagé. Politiquement, ça, je ne suis pas certain. Les gens regardent mes toiles ils trouvent une saveur politique très marquée. Alors que moi, je pose plutôt les questions qui sont rattachées aux choix individuels ou collectifs que l'on fait comme société. Et quand on, quand on revient à cette toile, le Sacré-Cœur, <coughs> j'ai l'impression, euh, M. Sanoui, qu'il y a là une thèse, antithèse, synthèse par le, la médiation du Sacré-Cœur, de sorte que vous créez comment dirais-je, une tension dynamique sur le, le, la surface picturale, je dirais même une dialectique. Pour vous, s'agit-il d'une opposition, d'une juxtaposition ou bien d'une synthèse ben, C'est intéressant de la façon dont vous le formulez parce que c'est un peu tout ça à la fois. Hein? On, a, on a tous ces éléments, on a les oppositions, opposition du regard. Qui parle à qui? La première question que, que je pose, du renversé des textes euh, qui font face euh, au sacré cœur, c'est comme si on lui posait la question. Toutes ces prépositions-là appellent une réponse. Elles sont les le témoins d'un questionnement sur le, le, le contenu auquel le, le sacré cœur fait écoute. Mais attention, le sacré cœur n'a pas de visage. Hein? Il n'est mm -hmm. pas individualisé, il n'est pas personnalisé. On, on, on parle d'une façon très, euh, très large, dépersonnalisée comme telle. Alors, ça, c'est la, la. la... La première euh, opposition. Ensuite, vient les oppositions de symboles, soit celle du. Euh, ici, on voit la, en, en arrière-plan la fleur de lys et la feuille d'érable de l'autre côté, sur lesquelles sont superposés des drapeaux, drapeaux qui sont eux-mêmes superposés sur un fond, je dirais, économique, ce qui sont des dollars américains, des 50 dollars américains, et dans, qui sont là dans les deux cas. Et tout ça pose la question de l'identité. Si je pose, s'il y qui que quoi d'en haut, si j'en suis à mes prépositions, quelle réponse est-ce que j'attends? Qu'est-ce qu que je soulève comme question? Moi, pour moi, à partir du moment où est-ce que j'intéresse le, le, le regardeur, le spectateur à poser ces questions-là, on est dans le vif du sujet. On est dans cet espace de... de, de, de d'ambiguïté de, de, hein, mmh. où on a à prendre position et à euh, définir un petit peu notre rôle mmh. comme individu dans la société. Mmh. Alors, quand, quand on regarde le Sacré-Cœur et le drapeau du Québec, le drapeau du Canada est toujours euh, le mur mitroyant du Sacré-Cœur, comme si la religion ou la foi où la croyance était la croyance était médiatrice des oppositions, des différences, Tout à fait. pour ne pas dire de l'altérité. Toujours depuis le début, les relations canado-québécoises, il y a cette cette tension dynamique. Et je me demande, à vos yeux, euh, Monsieur Saint-Louis. Dans les relations canado-québécoises, s'agit-il d'une opposition ou plutôt d'une symbiose, c'est-à-dire une relation bénéfique aux deux Est-ce qu'on parle d'une relation symbiotique dans les rapports entre le Québec et le Canada Qu'en dites-vous euh, professeur, quand on est ici, euh, je ne peux pas me placer euh, en, en juge et en partie. Je ne peux pas non plus euh, euh, induire ou euh, comment comment je dirais peut-être plus. Je ne suis pas un spécialiste de choses, je, je ne suis pas un, 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 un politicien, mais ce qui m'apparaît clairement, c'est que cette ambiguïté-là appelle non pas une résolution en termes de je fais ce choix-ci ou ce choix-là, mais en termes de conciliation, conciliation de, 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 de positions quelquefois opposées ou de lieux communs qui pourraient être unificateurs. Mm -hmm. Posez la question. D'abord, mm -hmm. introduire et que chacun puisse eh, tenter de donner une réponse. Mais pas de se, de se tenir en retrait du débat et puis euh, avoir à choisir, bon, ben, entre l'un ou l'autre, c'est une question de chemin. Non, c'est pas une question de chemin. Une question d'existence, une question essentielle. C'est une question qui a le mérite de, 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 de euh, qui, a cette euh, valeur universelle de rassembler les gens autour d'un principe commun, qui est celui de l'identité. Identité à tous les niveaux, là. aujourd'hui, on, on va parler d'identité des genres, bien entendu, identité sexuelle ou, ou quel que soit, c'est toujours cette quête profonde euh, de, et spirituelle de l'identité de l'individu et de l'identité collective. Mm -hmm. À quel endroit ça se situe? Comment ça se situe? Est-ce que ça se situe d'un niveau politique, économique, euh, euh, religieux ou autre? Mm -hmm. Elle se situe, elle se pose cette question constamment. Mm -hmm. Et justement, par rapport à la question identitaire, et si vous permettez, je vais vous citer, vous parlez même de, et entre citations, le mal-être de la post-vérité. Fin de citation. Et puisque... Cette toile, le Sacré-Cœur, fait référence au référendum de 1995. Je me permets de vous citer encore. On peut constater que la croyance de l'un exclut de l'autre. Par exemple, avec la notion du peuple distinct utilisée dans le cadre du référendum québécois de 1995, qui écartait en quelque sorte les premières nations et les minorités ethniques du débat. Pour vous alors, ce référendum et cette toile, c'est la traite de la question identitaire. Tout à fait. Tout à fait. Et l'exclusion de l'autre. Euh, en, fait, en posant la question, la situation au niveau de l'ambiguïté, dans l'espace de l'ambiguïté, J'amène le spectateur à se situer, à prendre position, mm -hmm. à, 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 à s'inclure, non pour à exclure. Mm -hmm. à, à, C'est à chacun de venir prendre la place qui lui est offerte. Hein? Mm -hmm. Est-ce que les politiques québécoises à l'heure actuelle, je ne suis pas politicien, est-ce qu'elles laissent cette place-là? Hein? Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on en fait? Mais chacun a la responsabilité dans sa propre finitude, si je peux m'exprimer ainsi, de prendre action et de chercher cette conciliation intérieure ou extérieure et à tout niveau afin de résoudre une situation. Mais la situation ne se pose pas qu'au Québec, elle se, elle se pose mm -hmm. à peu près partout, à tous les endroits où il y a un conflit, à tous les endroits où est -ce il y a des exclusions et où il y a un, un, un besoin d'amour. Mm -hmm. Et vous parlez du mal-être de la post-vérité. Et j'insiste là-dessus. Quand on regarde le Sacré-Cœur, certes, il y a la passion, mais il y a, à mes yeux du moins, la souffrance. Et on parlait tout à l'heure d'écarter les minorités visibles, d'écarter les Premières Nations. Pour ne pas dire de les exclure. Est-ce que la souffrance humaine, sans jeu de mots, est au cœur de cette toile ben, En fait, est au cœur de mon travail, de façon générale. Euh, cette. Euh, cette ce mal-être profond, est, et, 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 qui est latent, qui, qui est aussi patent, qui est présent à peu près partout et pour lequel on a d'autres façons de résoudre que par, la, des, que par des réponses économiques, euh, n'est euh, jamais euh, abordé de front. Hein? Alors, euh, bon, témoin de mon époque, je veux en, en parler. J'en fais mon, le sujet de, de, de mon travail. Mmh, mmh. cher auditoire du montréal africain tv ici l'animateur de l'espace biologique le professeur norman Cornette. on vous retrouve en quelques instants Sur les ondes du Montréal Africain TV, je suis le professeur Normand Cornette, animateur de l'émission L'espace diologique. Et on retrouve l'artiste Pierre Saint-Louis et qui a vécu un événement, j'ose dire, qui a changé votre art, sinon votre vie. Vous avez fait un voyage dans l'année 2000, vous si j'ai bien compris, qui était autrefois indépendantiste, nationaliste, souverainiste, vous êtes allé dans l'ex-Yougoslavie et c'était un changement de paradigme. C'est bien cela, monsieur Saint-Louis. Oui, professeur Cornet, euh, lorsque j'ai été en, en 2000 invité par les forces canadiennes à faire le tour des installations militaires euh, en Bosnie-Herzégovine, le, 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 le contact euh, avec euh, la, la réalité de la guerre a été un élément majeur. Ça a, mm -hmm. été, euh, ça, 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 ça a été bouleversant. Mm -hmm. Alors, effectivement, oui, ça a eu un impact sur mon... mon Ma, ma pensée euh, au niveau politique. De telle sorte que vous avez entrepris un projet pluridisciplinaire et vous avez créé, me semble-t-il, l'être humain universel que vous appelez l'ambigu. Et avec votre permission, je lirai quelques textes de vous, parce que l'ambigu est omniprésent dans votre œuvre maintenant. Oui, oui tout à fait. L'ambigu. Néologisme issu de l'association des mots homme et ambigu. Il s'agit d'une silhouette du corps humain tirée. D'une planche anatomique. Il apparaît dans mes peintures pour la première fois en 1995 dans Vanitas. L'ambigu, c'est vous et moi. L'ambigu incarne nos désirs, mais également les contraintes qui se dressent vis-à-vis l'accomplissement de ces mêmes désirs. L'ambigu, c'est l'être en relation à son milieu. L'ambigu, c'est l'individu face à l'autorité. L'ambigu, c'est le poids des obligations face au désir. L'ambigu incarne ce de quoi l'on désire l'investir. L'ambigu, c'est le personnage social, le citoyen désincarné et démuni à qui il incombe d'agir, nous dit-on. L'ambigu, c'est l'anxiété et l'inconfort. L'ambigu, c'est le poids de la responsabilité. L'ambigu. C'est l'identité atomisée, désagrégée et diluée. Donc, au fond de cette création de l'être humain universel, il y a toujours chez vous cette quête identitaire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Une quête identitaire. Euh qui, qui euh, euh, se place sur plusieurs plans. Hein? Euh, à tous les niveaux, on, on questionne l'identité. À tous les niveaux, on cherche la certitude qui nous permet de nous identifier. C'est ce de quoi je veux traiter dans, dans mon travail. La certitude dans... Lors, lors de votre voyage dans l'ex-Yougoslavie, est-ce que ça a ébranlé toutes vos certitudes oui définitivement définitivement euh, d'abord il faut dire qu'on voyage dans un pays qui est extraordinaire c'est un pays de montagne c'est un pays euh, qui ressemble à, à la Gaspésie, par exemple euh, si j'avais à établir un, un, un lien Et, mais c'est un pays où est- ce que euh, euh, qui est ravagé euh, où on, on, on se promène et on voit des camps de réfugiés avec ces euh, euh, tentes blanches, euh, où on voit les enfants grippés après des barreaux, où on voit des, 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 des communautés entièrement détruites, les trous dans les murs euh, partout, mm. les impacts de, de, de balles, les, les voitures calcinées. Alors, euh, on est dans un paysage qui est tellement proche de, de nous. Mm. Fait que j'ai trouvé qui était tellement proche de moi et d'un autre côté qui était ravagé par la haine. Quand on sait que les gens qui, qui vivaient là, ben, c'est des différentes ethnies, c'est différentes cultures, différentes religions, différentes origines et euh, qui se sont quelquefois, lorsqu'ils étaient majoritaires, euh, attaquer les minorités, les minorités, la minorité ailleurs qui était majoritaire attaquait l'autre minorité et qui en faisait une espèce de, 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 de destruction partout pour toutes sortes de raisons auxquelles se greffaient des intérêts extérieurs c'est de constater ça d'être témoin de cette de, de cette de du chaos alors, alors, ça, 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 ça ça remet les choses en perspective. Lorsqu'on parle de nationalisme chez nous, lorsqu'on oppose la, la, deux Canada, euh, deux solitudes, et qu'on le fait au détriment aussi des autres ethnies qui sont présentes, qu'on le fait au détriment des Autochtones, on ne peut que s'interroger sur la finalité du nationalisme, tout au moins tel qu'on le vit ici et tel qu'il se vit à l'étranger. Mmh, mmh. Et. Ça semble faire le pont avec vos œuvres précédentes et cette plaque tournante du voyage dans l'année 2000. En quelque sorte, votre vision créative, votre démarche artistique s'établit, s'articule entre deux pôles, certitude et questionnement. Oui, oui, oui tout à fait, tout à fait. Euh, C'est une quête. Hein? Euh, moi, je pense que l'artiste, comme témoin de, de son temps, euh, est quelqu'un qui, au départ, a la responsabilité de s'interroger. On mm -hmm. ne peut faire l'économie de la réflexion. Mm -hmm. Et face à ça, je peux bien arriver avec des certitudes, mais à partir du moment où j'ai des certitudes, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu qu'est-ce qu que je peux amener? les spectateurs à s'interroger. Si c'est pour faire... Euh, 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 n'avoir qu'une euh, qu certitude bien établie, bien, bien souvent, je vais avoir du joli. Hein? Et mm -hmm. c'est pas négatif, ce que je dis. Mm -hmm. Mais je, je n'aurai pas de profondeur. Hein? Et euh, le travail de l'artiste, c'est d'abord et avant tout, de, et on l'a dit un, un peu plus tôt dans notre entrevue, c'est d'être engagé. Alors, d'amener à... Est-ce que des, des positions se prennent Mais encore là, ce n'est pas la position de l'un contre l'autre. Hein? Mmh. Quelle position que moi j'ai, que vous avez, c'est celle de, enfin, j'espère, celle de l'amour, celle mmh. de la conciliation. Mmh. Mmh. Pas de la réconciliation. Non, non. Ici et maintenant, de faire preuve de, de, de compassion, d'ouverture mmh. et, et d'accueil. Donc, si je comprends bien, euh, M. Sanoui. Lors de ce voyage en 2000, dans l'année 2000, vous vous êtes remis en question avec vos croyances, avec vos orientations, à un point tel que ça a complètement changé votre pratique artistique, parce que là, vous, vous avez entrepris un projet d'envergure, et ça, dans plusieurs médiums différents, que ce soit en sculpture que ce soit en peinture, que ce soit en installation. Donc, je me dis, si un artiste change à ce point-là et s'engage dans un projet d'une telle amplitude, ça veut dire que ça l'a atteint au très fond de lui-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, puis... Euh, la, la... Euh, ce qui est intéressant euh, de, de constater lorsque je, je regarde, je prends du recul un petit peu par rapport à, à, ma, à mon travail, c'est qu'il y a une profondeur d'interrogation qui n'est pas issue de moi, mais qui est à faire. Il hein? y a des choses à dire. Il euh, y, des, 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 y a des investigations à poursuivre. Il y a énormément euh, de matière à faire. Et l'art est le meilleur des médiums, à mon sens, pour moi, tout mm -hmm. tout au moins pour moi comme artiste, afin d'exprimer cette capacité d'unification. Mm -hmm. Et donc, en résumé, je crois qu'on peut dire qu'au fond de ce projet pluridisciplinaire, et qui s'échelonne de, de, depuis bien des années maintenant, il y a en fait une exploration, dirais-je, comme André Malraux dans l'essai fondamental de 1933, La condition humaine. J'ai l'impression, euh, monsieur Saint-Louis, que votre projet n'est ni plus ni moins. Que la découverte et l'exploration du fond de la condition humaine. Ben, en fait, je dirais plutôt les, les tendances de l'homme. Hein? Euh, de, de, de quelle façon, comment se distingue la, 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 la lumière de la noirceur? Comment vient à jour, comment naisse la, la, la compassion? Comment est-ce qu'on est capable de faire? de soulager la douleur, la misère, la pauvreté, la, les guerres. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut venir à bout de, 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 de cette tension inhérente à l'être humain de, euh, euh, entre la, 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 la destruction et la pulsion de vie je, 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 Il manque de mots pour en parler, parce que euh, c'est l'essence même de l'être humain, puis je, je, je ne peux qu'être ému de la difficulté que les êtres humains ont à, euh, à s'accomplir. Il manque de mots pour en parler, parce mm -hmm. que c'est l'essence même de l'être humain, puis je, je, je ne peux qu'être ému de la difficulté que les êtres humains ont à, euh, à s'accomplir.